Monsieur, laissez-moi partir, j'ai des femmes et des enfants qui m'attendent. Collègue dehors, il est en train de faire n'importe quoi pour vous dire, regardez-moi ça. Il est quand même... Apparemment, il avait des amis. Et je voudrais savoir qui était ami avec 6324. Oh merde, c'est MK qui s'est barré. C'est moi. Tout dessus. Moi, je l'aime pas, moi. Mais nous, c'est nous deux là, pourquoi, monsieur? C'est nous deux. Savez-vous comment il s'est enfui? Ben, tout ce que je sais, c'est que déjà en général, sa femme me disait toujours qu'au lit, il arrivait très facilement à se faufiler dans les petits recoins, donc non. Je pense que c'est un petit vicieux. Je veux pas parler de ça. Je veux savoir comment il s'est enfui. Eh, tu crois qu'on serait encore là si on aurait su? Bah ouais, on serait parti avec lui, monsieur, réfléchissez. Non, mais je moi je propose un truc, regardez, on est... Non mais ce qu'on va faire, monsieur, c'est qu'on va tous aller aux cellules, tranquillement, on va prendre notre petite pause déj et puis vous allez changer cette cravate dégueulasse. Non, vous deux rester là, les deux filles là, donc vous allez aux cellules. Moi, monsieur, je propose que vous nous ramenez avec les deux filles dans une petite pièce et puis on profite bien comme il faut. Non. Allez, bolo ça. T'as vu qu'elle a fait « Allez, bolos !» Bon, l'éclat des filles et des femmes, là. L'éclat des femmes, là. Vous êtes dans vos cellules. Regarde. Très bien. Pardon, j'ai été déroulé dans vos cellules, l'éclat des femmes. Oh, les deux glacés, là, suivez-moi. Ouais, mes petits transsexuels. On avait dit deux, peut-être pas, je sais pas. Non, regarde. Non, que là. Mais non. Ah, d'accord, désolé, non, j'ai ça fait tellement longtemps que j'avais pas vu une vraie chenille. J'ai pas compris. Une vraie chenille. Eh, monsieur, vous savez. Non, j'ai au moins 60 ans. Quoi après D, vous allez vous taire. Tu sais qu'il y a quoi après A? Non, il y a quoi? Alors, 1, 2, Pérou, Singapour. Exactement, 6043 Pérou. Voilà, c'est ça. Bon, regarde, laissez-moi parler. C'est nous qui... Pourquoi il parle lui, ouais. Que savez-vous sur votre ami, là? Bah, je sais pas grand-chose, hein. Je sais qu'il moi, je savais qu'il avait des problèmes d'estomac. C'est un PD. Ah, c'est peut-être pour ça, les problèmes d'estomac. Bah, tu sais, avec les mecs qui en ont des grosses, ça, monsieur, ça va vite dans la tête. Eh, ouais, franchement, vous pensez qu'on serait encore là? Vous pensez qu'on serait encore là si on savait comment c'était échappé? Alors, non, mais il s'est pas échappé comme ça tout seul, sans que personne le voie. Ah bah si, moi, si je l'ai mais vu, pourtant. Mais... Ah pourtant, c'est ce qui s'est passé, hein. Non, mais je pense que vous avez. C'était petit, s'est échappé, wesh. La galerie. Eh, vous savez que moi, à l'heure actuelle, là, en gros, il s'est enfui tout seul. Là, vous êtes en train de nous sermonner, j'ai envie de le tuer, moi aussi. Juste pour ça. Ouais, c'est ça. Alors. Oui. Vous voulez pas nous le ramener là, le problème, c'est que vous me dites que vous êtes amis avec lui, donc c'est-à-dire que... On est amis, ah ben là, mais on du l'est coup, plus, du ouais, coup. Mais à cause de lui, on l'est plus, là, il est en train de nous foutre la merde et c'est lui qui se barre. Hein. Quand bien même, vous voulez pas nous passer non. Les femmes, est-ce que vous voulez bien venir avec nous dans notre cellule? Non. Eh, hey, monsieur, rentrez. Désolé. Monsieur, mais vous je aussi. Suis pas aidé. Remplacez des femmes, s'il vous plaît, avec une petite cravate à poids, vous êtes tellement sexy. Classé, vous serez séparés de vos amis, venez. Non, nous sommes limite unis plus que la Team Rocket. Venez. On se casse tous, on se tient tous par la main. Il me tire, allez. Allez, vous serez à côté. Ah putain. Vers le mur ou pas? Écoute l'autre, il se fait mettre tout seul du coup. Eh bien, on se bat. Ah, quoi que. Ouais, t'es sûr que tu veux se barrer? Non. Si, monsieur. Je veux savoir comment vous êtes échappé. Il s'est pas pris une balle à la tête? Il y a un chercheur avec moi, monsieur. Tu crois que si je réessaye encore une deuxième tentative, il y a des gendarmes? Ah ouais. Non. Comment il vise, ouais? Il est. Il est plutôt chaud, même. Oh, comment il nous vise, wesh! Tu sais, il savait qu'on allait ouvrir, tu sais! Non, il s'est pas fait abattre, sinon je serais en courant. Attends, ils sont tous en train de négocier, ils sont en train de dire aïe! Monsieur, il me pointe avec une autre collègue. Non! Non! Monsieur, je suis fou dans ma tête. Je pense pas, t'es sûr qu'on peut. En vrai, on peut ouvrir de ce côté? T'es sûr? C'est moi qui ouvre la porte depuis tout à l'heure. Sérieux?
Bah là, regarde. Je suis apparemment un canard. Oh, oh ah ah. Mais je vois pour ta gueule, ouais. J'ai pas fait trop de bruit. Oh, nos chiottes. Oh, il a pété les chiottes. Espèce de PD, le garde. T'es qu'un gros PD. Non, mais nos putains de chiottes, wesh. Bon, le truc qui a roulé, ça va prendre longtemps. Et voilà, on a cassé nos... Et maintenant, on chie où, nous? Où est-ce qu'on va faire caca, nous? Vous pouvez venir à côté, mais je suis encore là, les gars. T'inquiète pas, Jean. On a plus de chiottes. On a plus de chiottes. Ramenez-nous là où il y a des chiottes. Partage. Et voilà, c'est quoi ce travail? Je fais caca où, maintenant? Eh, quelqu'un a pété les chiottes. Monsieur, on nous a foutu dans une cellule, il n'y a pas de chiottes. Ah si, on en avait, mais... Vous avez chié dans le lavabo. Vous avez cassé. Vous avez chié dans le lavabo. Apparemment, quoi. Eh, mais je trouve que étonnamment, on se ressemble tous, hein. Vous êtes pas... on n'est pas de la même famille. Merci, les gars. Qu'est-ce que c'est cette classe de... Attends, je te donne un papier, tiens. Non, il n'y a pas de... Vas-y, ah, reste toi, frère. Il est venu à côté. Salut, les gars. C'est comme un gros con qui comprend pas ce qu'il a en prison. Et l'autre, il s'est pris un warn, regarde, il s'amuse à détruire des toilettes au niveau des cellules d'isolement. C'est vrai. Bonjour. Non. Vas-y, hey, t'es un homme, tu reviens. Ah, il est bien loin. Ah non, c'est bon. Et il a des trucs. Bon, mais vous avez, beau vous avez beau parler, on a toujours des chiottes pétées, hein, en attendant. Mais vous avez chié dans le lavabo, je m'en fous. Non, mais j'ai vu les autres cellules, il y avait des toilettes. Pompe, bâtard, et, comme par, et comme par hasard, les nôtres, il n'y a pas de toilettes. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah, hey, monsieur, c'est vous qui vous êtes amusé à les casser. Hein. Ah bah merci. Merci. Ici là, il y a pas de toilette. Non, celle-là elle est bien. Non, celle-là elle a pas de toilette. Ah ok, elle a pas de toilette. Ah merde, non plus. Ah. Écoute, le chat. Je pensais qu'il y avait MK dans cette cellule en fait. Bah moi je peux, moi je fais l'arbin pour vous. Hein. Là franchement, tant que je suis moi pas j'ai dans une alarme cellules. Intégrée dans moi-même. Qui allez, qu'il y a quelque chose qui se passe mal, je hurle, je fais appelez un deck. Voilà, ça se passe bien ou mal quoi. D'accord. Bon, alors. Bah, c'est soit ça, c'est soit ça, monsieur, soit c'est les. Avec votre ami. C'est les Hendek Strudel Gaia Flagger Gestussenberg Stifferig Zieger Cake Strudel Sable Cake. Voilà. Voilà. D'accord, alors. Sort un corps de niveau 1 mineur qui invoque un deck. Voilà. Un deck. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez faire manger si vous êtes parti avec votre ami, enfin voilà, vous avez... D'accord. Voilà, donc maintenant vous allez passer, enfin vous allez vous changer. Attends, dis-lui lequel d'ami, celui qui est dehors qui s'est échappé. Ah bah ça serait cool qu'on puisse le rejoindre. Mais du coup, monsieur, mais attendez, parce que du coup vous parlez de notre... Attends, écoute ce que je voulais dire. Je peux... Monsieur, vous parlez de l'ami, mais vous parlez... Commandant, c'est que... Est-ce que vous nous parlez de du vrai ami qui est sorti ou du faux ami qu'on a fait passer pour notre vrai ami et que vous avez tué malheureusement? Voilà. Parce qu'on a un vrai ami qui est dehors actuellement. Et vous avez tué un innocent. Ah, parce que si vous nous avez dit vous pouvez rejoindre votre ami, étant donné qu'il est dehors, donc on peut le rejoindre dehors. Notre ami il est dehors. Non, non, non. Je vous ai dit, que vous êtes ouais, je rate ses flashs, mon gars, rate sa bouche, tu sais, il y a les vibrations. C'est parti dehors. Et vous qui a été rattrapé par un mafieux. Ah non, ça justement, c'est le larbin qu'on a utilisé pour se faire avoir à sa place. Là, je pense qu'il voilà. Va être dehors. Tout simplement. Vous avouez. Oh merde. Je crois qu'on a fait une bourde. MK, si tu es, si tu m'entends à travers, s'il te plaît Dieu, que bénissez que MK soit parti déjà très loin. Ah il t'a tué, ils ont mis le bloc d'isolement. Bûche-toi. Par contre, hey, Zertek, il a été bien con. On doit leur poser des questions quand même. Il a été bien con de nous croire le 4ème classe D qu'il allait sortir. Il a été classe D. Ouais mais bon.
Suivez la IT. En vrai, je vous explique, monsieur, comment il a fait pour ses chefs. Ah, je vous explique. Non, en vrai, il a soudoyé. Il a soudoyé un agent, c'est-à-dire qu'il y a un traître parmi eux. Suivez la IT, bordel, j'ai rien à vous expliquer sur l'instant, vous allez suivre la IT. Ouais, mais attendez, vous dites. Comment il a dit la IT, mais regarde sur son uniforme, il y a marqué ERT. Je crois qu'ils savent pas lire ici. Bande d'analphabète, bande de PD. Allez. Certes, c'est la nuit, j'avais pas capté. Est-ce qu'on leur pose des questions? Non, y'a pas de shot ici. Putain. Corpus lapide dans la cellule. Eh, j'arrive à sentir la grosse merde que j'ai lâchée l'autre jour par terre à côté du lavabo. Ah bah non, j'ai j'en peux plus de nous en vrai. Alors. Ah, ils m'ont foutu trop loin de toi en plus. Il a fait quoi? Ah, ils m'ont mis mais pire que loin de toi. Laisse tomber. Bon. Alors, il y a une classe D qui s'enfuit que j'ai vu. Je n'ai pas pu l'arrêter parce que je n'ai pas d'arme. Pire. Ouais, je crois que c'est l'admin. Hein, commandant Rob, c'est l'admin. Alors attendez, c'était 60. Putain, à la base, c'était, je voulais leur dire, ouais, comment il a fait pour s'échapper. Ouais, mais écoutez, c'est facile, hein. Il a soudoyé un de vos potes. Après, par contre, on sait pas lequel, tu vois. Les mecs, ils foutent la merde à mort. C'était 60. Bon, ben, c'est pas grave, hein. On restera ensuite tout de suite, est-ce que j'ai compris. De toute façon. Ok, parfait. Et ils ont quoi dans l'appui des autres là? Bah ils sont en campus avec ils sont en campus avec la personne qui s'enfuit, mais ils se sont pas vraiment fuis. Non là moi j'entends des conneries là. Je sais pas ce qu'il se dit mais c'est des conneries. Mais c'était des amis. Bon, de toute façon je vais déco. Bah attends, ils sont. Est-ce que t'es complice? Dis-moi. Moi je suis de quoi de MK il a déco. Ouais non mais attends, moi ils me font continuer la scène là, les mecs sont fous. Sûr. Ah bon? Ah bah pas moi. Ce que vous dites, ça, moi je suis dans la cellule là, j'attends. C'est parce qu'il parle à moi d'abord là en fait. Ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Ah ouais? Mais on va faire genre que. Ouais. Pouf! Oh, je suis un fantôme! Dans tous les cas, est-ce que vous avez des liens avec la personne qui a tout laissé échapper? Mais ils m'ont mis trop loin, je vous entends pas du coup. Que vous avez des liens avec la personne qui a tout laissé échapper? Oui, c'est mon meilleur ami, j'espère qu'il se sera enfui et j'espère qu'il va prévenir la police et que vous allez tous vous faire enculer. Parce qu'ici vous êtes des mauvaises personnes, vous êtes des mauvaises personnes ici. Attends, reparle en j'attends la statue. Contre les choses normales, il n'y a pas de mauvaises personnes. Non, déjà depuis quand on met des gens comme ça en prison comme des animaux? Vous avez été condamné à mort. Vous aviez été condamné à mort. C'est pas vrai, on m'a dit que j'ai signé un contrat pour venir ici. Vous contredisez là, messieurs? Ça va pas le faire. Ouais, justement. À la base, vous étiez condamné à mort, mais vous avez signé un contrat comme quoi vous avez participé à des tests extrêmement dangereux pendant un mois. Et à la fin de ce mois-là, le casier judiciaire sera vidé et vous serez libre. Ah, ok. Ah, bah ouais, c'est intéressant. Ouais, plutôt intéressant. Mais je me souviens pas avoir signé, je pense. Mais que apparemment c'est votre meilleur ami, c'est votre meilleur ami. Ah bah vous êtes dans la merde, il a réussi à s'enfuir. Hein. Dis que c'est un garde qui les a dit. Il y a des personnes dehors. Mais par contre, il faudra faire attention à vos gardes, hein. Surtout le garde qui lui a ouvert la porte. Quel serait ce garde? Ah bah ça, malheureusement, je ne sais pas, j'ai pas vu la suite. Nous, je sais juste qu'on l'a aidé à faire partir. Dis que c'est le garde, c'est le garde tout noir avec écrit ERT. C'est un garde tout noir avec écrit ERT dessus. J'ai bien le souvenir. Je t'ai entendu. Ah, comment dire? Mais oui, c'est votre meilleur ami. Vous avez fait forcément du l'aider. Elle va se faire éclater. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le cher monsieur avec écrit ERT sur son uniforme, il est pas très catholique. Hein. Je t'entends, wesh. Retourne-toi. Regarde le mur derrière, du coup. Allez, regarde le mur derrière. Pas de soucis, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me dire si elle a aidé ton collègue. Si j'ai pas la réponse que je veux, tout cas qu'il s'est échappé, t'es mal. Attends, il arrive de te demander le scientifique.
Tu lui dis, ouais, il est tout noir, il est sur les têtes. Attendez, commandant, attendez. T'as encore 3 secondes. Attendez, allez, bah, attendez, attendez, commandant. Apparemment, c'est un Naïté qui a libéré la. La. Le petit AIT avec écrit deux classes D sur RT. RT. Bah, il n'y en a pas assez de l'autre côté. Il est tout noir, vraiment tout noir. Tout ce que je peux vous dire, messieurs, c'est. C'est tout noir. Tout noir, pas ce morse. Bon. Il va se faire éclater le garde. Pardon ? Vous m'avez dit quoi, commandant ? J'ai pas entendu. Vous voulez aller où avec les classes D ? 0,35. Est-ce qu'ils vont tous mourir ou pas ? Non. Parfait. Classe D, hein. Sort de cellule 0,521. Allez, vous allez chercher votre classe D. Oh putain, mec, on doit faire une expérience. Ouais, ça vous gêne, ouais. Si je prends votre IT pour m'accompagner, je regarde pas cette sécurité. Je vais avec vous aussi, de son. Moi, s'il vous plaît, il est venu se venger. Non, non, c'est, non, c'est bon. C'est bon. Toi, okay, toi, d'accord. Toi, mais la... c'est lui, monsieur, toi, c'est sûr. Aidé, toi qui l'as aidé à sortir, tu seras dans la merde. Toi qui as aidé notre pote, tu veux pas nous aider? Ouais, ouais, regarde pas comme ça. Qui t'avoir aidé notre pote, t'aurais pu nous aider aussi. Faites attention, vous avez des traîtres ici dans votre fondation. Qui est la docteur Dwittel là? Commandant, il faudra faire une réunion après l'expert. Il va se faire éclater, nucléaire. Vous lui laissez un arme, moi je vais faire ça. Il faut suivre Harry Potter. Je vous souhaite une bonne expérience. Les classes D, si vous restez sage, tout se passera bien. D'accord, on aura des bonbons. Par contre, il vous faudra. Vous aurez, on est depuis le début, sage monsieur. Vous aurez des bonbons. Bah, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Nous, on fait que d'écouter, on a qu'un enchaînement de maladresse qui arrive. J'aurais besoin de vous pour aller en expérience à l'Eurotemps. TX, vous en avez. Très bien.